Bonjour à tous, c'est Sardar Dragon Full et aujourd'hui je vais vous faire le petit preview de mes futurs unboxings et présentations des Beyblade Burst. Donc comme vous pouvez voir, il y a un peu de tout. Donc, je vais faire une petite présentation rapide. Donc, dans l'ordre d'ouverture, il y aura en premier le Random Booster Volume 1 B15 Trident Riviclo. Donc, j'en ai 6. Donc, j'espère bien tomber dessus parce que, bien sûr, c'est une série où il y a 8 toupies. 8 toupies aléatoires. En espérant avoir la chance de tomber sur Trident Riviclo. Donc celle-là, j'en ai 6 de ces boosters-là. Donc ce sera ma première ouverture. Ensuite, nous allons voir le Stadium B19. Le B19 Burst B Stadium. Donc de Takaratomy WBBA. Donc comme vous pouvez voir, il y a des armatures jaunes à l'intérieur pour que le système Burst soit plus efficace. Donc les toupies se fracassent dessus et ont plus de facilité à exploser quoi. Donc c'est une arène classique noire. Mais vous allez voir, il y a un fond assez plat avec une zone là plus basse. Donc on verra ça en détail lors de l'ouverture. Les parties jaunes, vous voyez, avec les pièces de fermeture. Il y aura le Random Booster Volume 2, Evil Eye Wing Needle, le B24. Donc c'est comme le premier booster. Il y a 8 toupies aléatoires en espérant avoir la fameuse toute nouvelle. Evil Eye Wing Needle. Donc nouveau coloris, mais pour les toupies qu'on connaît déjà. Donc c'est la même taille que l'autre. Voilà, volume 1 et volume 2. Ensuite, nous trouverons la B27 WBBA Official Blazers Box. Donc là, la mallette pour pouvoir ranger les toupies et les accessoires. Donc ça c'est la B27. Ensuite, nous avons un booster. Donc c'est une toupie de type équilibre, le booster Neptune Arme des Zéphyrs. Avec deux nouvelles pièces. Donc ensuite il y a deux rééditions donc de Valkyrie et de Spriggan, donc la B29 et la B30, ils appellent ça des starter entry package, donc avec deux tout petits lanceurs. Après ce sont les deux mêmes toupies par contre qu'on peut trouver au départ, donc Valkyrie Wing Axel et Spriggan Spread Fusion, toupies de type attaque et d'équilibre, donc B29 et B30. Ensuite, donc toute nouvelle toupie de type Endurance, la B31, le starter Yggdrasil Ring Giro.
Donc toupie de type endurance, rotation à droite et système burst. Donc très jolie toupie. On verra très bientôt. Et enfin, nous avons les accessoires Beyblade, donc le B32 shoot support rubber. Donc ils se mettent sur les lanceurs à ficelle et les crémaillères. Donc il y en a 4 en tout à l'intérieur. Donc on verra ça lors de mes prochaines vidéos. Donc, si vous voulez rester actif et continuer à voir mes vidéos de Beyblade, j'espère que vous êtes abonné à ma chaîne. Donc n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager et de vous abonner.